Je suis Brasco du label Bomb Attack. J'ai commencé depuis l'âge de 18 piges avec un groupe, Apothéose. On a fait pas mal de mixtapes, de compilations, de featuring pour se faire connaître. Par la suite, j'ai continué mon chemin tout seul. Donc voilà, j'ai pas lâché l'affaire, pareil, des mixtapes, des compilations, des feats, des participations, donc voilà, et jusqu'à ce que je rencontre Marc du label Bomb Attack, qui m'a proposé de signer sur sa structure. Le truc, c'est que, tu vois, sur le moment, c'est les morceaux que tu parles là, c'est des morceaux qui c'est des vrais morceaux déjà, c'est vrai, tu vois, c'est mon vécu. Et je l'ai vécu, j'ai mal vécu tellement longtemps qu'il fallait que, qu'il, ça, ça, fallait que ça, fallait que ça sorte, tu vois. C'est comme quand t'en as marre, t'as un truc qui te prend la tête pendant une décennie, t'en peux plus, tu vois, tu vis pas tant que le truc, il est pas, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, comme tu dis, j'ai exorcisé le truc. Fallait que je fasse ces morceaux à tout prix parce que sur le moment c'était la galère. Les 1 000 km, c'est la nostalgie, c'est les parents. Mes parents, je les avais pas vus pendant beaucoup de temps. Tu vois, ce qui fait que pour moi c'était une obligation de faire un morceau, parler de la famille, parce que moi je suis un mec, je suis à 100% antillais, je suis à 100% guadeloupéen, jusque dans mon rap, tu vois ce que je veux dire, ça se ressent dans ma musique. Donc voilà, les morceaux, c'est venu comme ça, c'est mon parcours, ça fait partie de la vie. Aussi, j'ai pas parlé que de ça aussi, tu vois, j'ai pas parlé que de ça, parce que t'as vu, quand je te parle de ma vie, ben, t'as vu, le système en fait partie, l'entourage en fait partie, le ghetto en fait partie, la rue aussi, tu vois, donc voilà. Les concerts à gauche et à droite, tu vois. Toujours avec la même équipe, Matador, Jamal, Sarah Riani, tu vois. Et les featuring, Inch'Allah, par la suite, tu vois. Pour un peu sortir du contexte album, tout ça, pour montrer un peu de quel bois on se chauffe, moi, Matador et le reste, tu vois. Il y a l'album de Matador qui sort aussi bientôt, moi je serai dessus. Donc voilà, donc sache que Bomb Attack, on a le studio à disposition, on taffe, et on lâche pas l'affaire, tu vois. Les tracks, ils sont toujours là, ils bossent il y a pas mal de temps avec nous. Ben, Armes Égales, c'est eux. Tapage Nocturne, c'est eux, tu vois. Donc, Armes Égales, toi-même, tu sais, ça a bien tourné, Tapage aussi. Donc, voilà, c'est vraiment des mecs qui bossent bien, c'est des musiciens à la base. Donc, moi, ça a été avec grand plaisir qu'ils fassent des sons sur l'album. Ils ont pas fini encore parce que le deuxième va arriver, ils seront encore là. Il y en aura peut-être d'autres, mais les tracks, c'est vraiment des bons. Il y a qui encore sur l'album? Il y a SR. SR, c'est quelqu'un qui est signé dans le label aussi il y a pas mal de temps. Il a fait pas mal de prod, surtout pour Cynique aussi en même temps. Il est très très fort, c'est un book que je kiffe beaucoup, tu vois. Donc voilà, il y a SR, il y a Soul Children aussi. Soul Children, c'est vraiment, c'est les puristes. C'est les mecs qui sont là, ils font du son, ils sont encore dans les samples, dans les trucs, mais avec un goût du jour, tu vois, et ça fait bien, ça donne du bon, ça donne du bien, ça fait du bien au rap français, tu vois. Donc voilà, on a tout ce beau monde dans la compo. Et voilà, les feats, tu le sais déjà, les feats, c'est El Matador, c'est la famille, Sarah Riani, c'est la famille, Jamal aussi, c'est le poteau. Les featuring extérieurs, Soprano, Seth Gecko. Il y a aussi Nubi qui est avec nous, que j'ai oublié. Nubi, la saleté du 9-1, qui est toujours là, tu vois, qui a posé dans l'album. Et voilà, tout ce beau monde a posé dans l'album. Ça s'est super bien passé. Bon feeling, bon contact. Voilà. Sinon, si vous voulez avoir toutes les actus, allez sur les blogs, les MySpace. Le MySpace, c'est www.myspace.com/BrascoBombAttack. Et il y a le Skyblog aussi, brasco-blog.skyrock.com. Donc vous aurez tous les actus, les clips, les lives, les différents concerts, les Arab Money, les Soul Jasko, tout. Il y a tout. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, c'est du bon, c'est du lourd, c'est du Bomb Attack, c'est du Brasco. Voilà.
Frollo, écoute, Brasco, yeah, j'ai cogné ma tête contre les murs et j'ai toujours cette migraine entre la rue et cette femme qui veut que je lui offre une vie de reine entre Paname et Guada, loin de mes racines, entre la haine et le racisme, entre la zonze et l'asile, entre ma parole et ce keuf hystérique. L'inspecteur veut que j'accouche, je l'emmerde, je suis stérile, entre le bise et le rap, enterré vif dans quatre planches, entre les anges et les diables qui veulent m'apprendre des pas de danse, et entre le business qui rime avec fitness, parce que l'oseille te fait courir jusqu'à l'excès de vitesse, ma misère m'endurcit. Même rampe intouchable, à tout moment elle peut me noyer dans le chagrin comme Katusha. Tous mes frelots qui carburent au charbon, je les vois se tuer à la tâche pour devenir un jour patron. Même s'ils viennent des bas-fonds, ça ira, je survis mec, je veux pas qu'on m'aide. Tout ça me fait mal au crâne et je pense qu'il n'y a pas de remède. Si mal, et toi-même tu sais, pour Demolition. Si, si, ok, on est là, Brasco, la voix du sous-sol, bombe attaque.